Envie de réaliser un tableau original? C'est parti! Prenez une toile et dessinez au crayon à papier le contour d'une tête de mort. Passez le fond en noir et lorsque la première couche sera sèche, pour un meilleur rendu, passez une deuxième couche. Avec de la peinture argentée, peignez l'intérieur du crâne et comme pour le noir, après séchage, faites une deuxième couche pour donner davantage d'intensité. Maintenant, récupérez tout ce qui peut traîner dans un garage. Clous, vis, écrous, rondelles, fils de fer. Recouvrez généreusement le crâne de vernicole et posez dessus de manière plus ou moins aléatoire le fruit de votre récolte. En utilisant le bout d'un pinceau, entortillez un peu de fil de fer et vous formerez ainsi des mini-ressorts qui donneront du relief à votre tableau. On peut aussi utiliser la cerne dorée au niveau des dents. Après séchage complet, vous obtiendrez un tableau unique et original. N'hésitez pas à regarder dans ma playlist qui s'appelle Déco tête de mort la vidéo pour fabriquer dans le même thème un photophore.